Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 5. On va essayer de finir le déménagement. Donc pour vous rappeler, ici avant c'était la base, maintenant la base je vais la faire ici. Tout simplement pour question défense. C'est vraiment une question défensive parce que là je me sentais pas capable de défendre la base ici. Ça allait pas le faire. Donc en plus c'était du bois, donc il suffirait qu'ils mettent le feu, etc. Les mortiers, ça allait pas le faire. Donc j'ai décidé de migrer tout ça ici, donc dans cet nouvel espace. Donc le dernier épisode, on a commencé à tout déconstruire, à tout manger, à tout ranger pour ma part. Là, je suis en train de être un peu en mode galère manger parce que en fin de compte, je me suis un peu planté sur certains droits, par exemple. Plus c'est bien, c'est que c'est moi le premier à me lever, donc à chaque fois je mange que ce que je. Moi je risque pas de mourir de faim, ça va. Mais là bon, là voilà, je me suis envoyé pour récolter tout ça, je vais aller récolter, ça me permet de refaire à manger. Donc ça devrait le faire un peu plus. C'est vrai que là je pensais que le champ il serait assez grand, mais il ne l'est point, en sachant quand même que j'ai une vitesse accélérée, puisque j'ai quasiment 30 degrés dans mon truc à cause de la clim, parce que j'ai mal placé la clim. Donc c'est pas des plus sympathiques. Donc ici la base, c'est une base minimum, hein. Vous avez le petit panneau solaire, vous avez ça et ça pour les batteries, ça va mettre les lumières de base. L'idée c'est que tout ça finisse d'être miné assez vite, parce qu'ici ce sera mes trois chambres. Je vais essayer de faire partir sur une bonne base, donc faire en sorte que tout le monde déménage assez vite dans leur lit, même si ça, vous voyez, ça me fait perdre du temps parce que là c'est à l'autre bout de la carte. Donc ils prennent quasiment 2 heures de marche à pied pour pouvoir accéder au site. Mais bon, j'ai bon espoir. J'espère que j'arrête de tout bouffer les trucs quand même. Je suis sûr que je mange. Bon, ça va quand même. Ok. Pourquoi pas? T'es où toi? Ouais, t'es en dessous de ma future base. Donc tu m'intéresses pas. Tu peux venir filer un coup de main si tu veux, mais. Et voilà quoi. Par contre, petite bêtise que j'ai dû faire. Ordre, miner. En fait, compte, faut miner tout ça. Et lui, est-ce qu'il est électrique, lui? Ouais, il est électrique. Parce que tout ça, ça sera ma rampe, ça sera mon alimentation électrique, tout ça. Donc, oui. Faut miner aussi. Bon, ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement. Malheureusement, voilà, je suis loin. Mais bon, la bouffe, on a un minimum. Je pense que. On a combien? 2. Okay. Je pense que la bouffe, je vais m'en ressortir un peu. Ça va aller pour la bouffe, je pense. Nourriture, côte. Ouais, ils ont tous à manger. Et là, il est en train de refaire des plats. Je suis en train de refaire des plats, donc ça va aller. On aura un peu de nourriture le temps de migrer tout ça. Parce que après, il faut que je refasse la cuisine. Que je refasse tout le reste. Et à deux, c'est pas facile. Mais bon, ça va. Les chambres vont avancer assez vite, je pense.
c'est vrai que ça fait quasiment une semaine que je me... que je fais que de la faire de la bouffe. Voilà, c'est le matin, il est l'heure de déjeuner. J'en ai combien? 5. Ouais, c'est bon. Ça va le refaire, ça. Oh non! On va essayer de l'entendre un piège. Pourquoi je suis... Allez, fuis! Morue. Je l'ai niqué, je l'ai niqué. Bon, c'est juste le prince qui m'a niqué ma porte. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Par contre, j'ai pas envie de me laisser niquer. Comme ça sera pas mal. Ok, on va finir de miner là. Moi, je retourne. Alors, voyons voir par contre la santé. Douleur moyenne, bloodlust. Santé, bloodlust, pas de blessure. Ouais, j'ai besoin de toi en bon état. Hop.
On nettoiera tout ça après. Je préfère perdre 2 jours à rester tranquille. Oh non! C'est quoi? Un lapin? Putain! Ça coûte. Bon, ouais, c'est bon, je perds plus de sang. Et Dark qui perd du sang. Il perd encore du sang. 3%. Ok. Bon. Donc Dark peut retrouver son lit. Ouais, toi, tu me casses les couilles. Merci, mon ami. Bon, ça donne quoi là-bas? J'ai 2 chambres presque uniquement finies. J'ai mes batteries. Enfin, c'est que les batteries, je voulais pas les faire là, mais bon. Je pense qu'il va falloir. Hein. Compte c'est pareil là, il faut que oh, il commence à faire froid, 6 août. Ah. Non, attends. Je suis désolé, mais déjà un, tu vas la déshabiller. Parce qu'elle est en armure. Santé, la boue, bon, humeur.
Désolé, Zoli madame, mais. Je vais déjà te mettre à poil. T'es bien gentil, mais ton armure, ça sera. Eh, hey, pas mal. Par contre, je sais plus si c'est qui... Tier 5, mêlée. Si, j'aurais préféré que tu... Je vais être casse-couille, hein. Je sais qu'il est minuit, t'es peut-être fatigué. Mais demain, je voudrais bien avancer. Ouais, je voudrais bien avancer un peu. Alors, top. On va mettre une petite lampe là. Oui, je sais, ça fait bizarre comme ça, mais parce qu'après, je sais que en bois. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que ça dit notre prisonnière? Wolf, nourriture, repos, douleur, pas de blessure. Pas mal. Captif, alors, essayer de recruter, être soigné, dialogue amical. La bouffe, on en a un peu. Du bois, il reste. Donc ça devrait le faire. Là dedans, il fait 22 degrés. Ah bah tiens, c'est marrant, il fait moins chaud. Il fait toujours moins 5.
Ah, comme ça, il y a un peu mou. On va peut-être lui mettre un petit feu de bois quand même. Pense que ça peut être pas trop mal. Six. Bien, qu'est-ce que j'ai? Ah, quit. Interface Epsilon. C'est ça? Non. Ah, il faudra que je regarde. J'ai fait une connerie. Ah bah voilà, c'est revenu. C'est revenu. On a combien? 9. Et 9, c'est déjà suffisant. Parce que là, je sais plus que ça. Et bouffe. 15, 6. J'avais demandé de... Allez, sexe! T'es où? T'es en train de te geler le cul en plus. Non mais là... Elle te remercie. Qu'il n'y a pas de toit, je pense que zone retirée. J'espère que ça va pas monter à 50 degrés. Bon, ça donne quoi de l'autre côté? Les lumières sont installées. Dark au train de faire d'installer le double lit. Un groupe de pillards sont arrivés à proximité. Parcours, parcours.
Putain, c'est long de faire un double ligne. Si je vois dessus, je vais faire un lit simple, là. Bon, elle est heureuse de vivre, elle. On va mettre ça au pire s'ils attaquent. C'est quoi là? Ouais, moins 10. Il fait froid. Bon, bon, on dirait qu'ils sont pas prêts de vouloir attaquer. Donc on va attendre un peu. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à les niquer les trois. Désolé de parler comme ça, mais pour récupérer leur parka. Parce que là, j'ai vraiment pas les vêtements pour affronter l'hiver. Je pense que le seul qui a la tenue adaptée, c'est Dark. Avec minimum confortable température moins 45. Donc, lui, il a déjà ce qu'il faut. Mais les autres, ça va être difficile. Alors, mes pillards. Hop là! Paf. Dark. Il va de l'autre côté, va t'occuper la mitraillette. Allez, allez, yes! Cool. Avec un, déshabillé. Déshabillé et déshabillé aussi. Mais ça, je n'avais pas pensé jusque-là. Alors, Six, fais-moi un parka. Juste, t'avais été à poil. Laurent, tiens, c'est bien, tu tombes bien. Porté parka. Allez, hop. Et là, ça y est, on ne peut pas le blesser. Voilà, bon, bah voilà, la petite attaque, elle a été nettoyée. Je suis bien content. Je vais récupérer des arcs. Ça va finir au feu. Sur ce, je vous laisse. On a passé la petite attaque ensemble. Santé. Si c'est là, est pas blessé. Nanana, et là non plus. Alors, je vous dis à la prochaine et au prochain épisode. N'oubliez pas, si vous avez aimé, suivez-moi.